Bonjour les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Age The Veilguard. Donc on continue un petit peu le jeu, voilà parce que j'aime bien, c'est mon jeu du moment. Donc je vais vous faire une vidéo dessus, là on est en pleine quête secondaire. Ouvrir l'accès aux aires perdues, vaincre le champion. J'avais envie d'un combat de boss, donc on est parti. On y va. Statue de loup, ok. Ça a ouvert un passage, très bien, mais quoi? D'habitude ça fait des ponts. Ah ok, faut se glisser. Ah oui d'accord, ça a ouvert le... Ok. J'ai l'impression qu'il faut descendre de plus en plus bas. Éclat sanguinaire. Ok, on va le mettre. Hein. 25% de durée de saignement en plus. Allez. Si c'est épique. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Nous avons un loup, ok. Sûrement le territoire du boss. Oh, punaise, qu'est-ce que c'est que ce truc? Les ennuis sont pas loin. Ah bah tout à fait, voilà, ça commence. Mais pour l'instant c'est pas le boss, c'est pas pour combattre le champion. Ah oui d'accord, à tous les coups il va falloir que je pète le truc là-bas là. Et c'est quoi leur faiblesse à eux? Vulnérable. J'ai... Non j'ai pas de... Ouais, bon bah c'est pas grave, on prend l'électricité. En plus faut garder un petit peu de capacité pour le champion, parce que si déjà il y a un combat ici... Faiblesse, j'ai rien en... Ouais, je n'ai pas ce qu'il faut. J'ai du feu ou de l'électricité, moi. Dommage. Ça chauffe côté gauche. Bon, je me fais déglinguer la tronche. J'ai un bug de... Ah voilà. Ok, c'était la caméra qui... Et puis là, j'arrête pas de me faire toucher. Bon, ok. On va commencer par ça. Alors déjà, trois. Inflige un ébranlement. Applique accablement. Pourquoi pas. Détonner les bas, voilà, on va faire les deux. Hop. Et je me remets un peu de vie. Bon, du coup on va faire ça. Parce que si on perd toute notre vie alors que derrière il y a en plus un boss. On est pas dans la merde. Il m'énerve lui. Voilà le kyste de l'enclin là-bas, on va pas le tuer tout de suite. Merde, j'ai plus de vie. Remets-toi de la vie, qu'est-ce qu'elle fout? Parce que si je le tue, on va voir le boss en même temps, pas prendre. Et puis je vais faire un truc avec mon bouclier, tu m'as empêché de le faire. Voilà. Est-ce qu'on a un truc? Toi. Voilà. J'ai plus de mal. Ils sont chus. Bon, vous savez quoi? On va prendre la dague. Qui aussi. La dague, j'ai dit. Après tout, le feu, ça leur fait plus de dégâts, j'ai l'impression. Pourtant, c'était pas faiblesse au feu. Bizarre. Bah t'as qu'à l'attaquer toi à l'arrière, tu peux être partout moi. Mais cassez-vous punaise, mais cassez, mais genre... Allez, on bouge. Après je vais plus avoir de vie, ni rien pour faire le boss, c'est super. D'ailleurs j'ai plus de vie déjà. Voilà, ouais, ça c'est cool. Mais ils sont hyper nombreux là, ça m'énerve. Je sais pas comment moi là.
D'ailleurs, j'aurais dû activer mes runes aussi. Est-ce qu'elle peut me remettre de la vie, elle? Hop. Normalement, je suis invulnérable le temps que la vie se... Et toi, attaque-le. Faites quelque chose, toi. Merde. Attends, moi, tout faire dans cette équipe, là. Hein. Ah, super, il y a un boss. J'aurais dû d'abord faire le boss. Quoi qu'après, on aurait plus de vie non plus. Ah là-bas, il y a peut-être de la vie. Non, on peut pas y aller. Toi, attaque-le. Non, je voulais faire ça. Voilà, le griffon. Il a un bouclier, lui. Je peux pas lui faire beaucoup de dégâts, lui. Ennemi à distance. Là, ils sont hyper nombreux. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. J'ai plus de potions, de vie. Il n'y avait pas de niveau à la mission, c'est ça que je leur reproche, c'est qu'il n'y a pas de niveau dans les missions, dans les zones, dans les trucs. Du coup, on ne sait pas ce... Il y a un truc qui brille là-bas. Du coup, on ne sait pas ce qu'on peut, si on peut ou pas. Là, je suis niveau 20. Je pense qu'on est largement au-dessus. Et je suis... Alors, je suis dans le mode normal. Hein. En gros, c'est le mode normal. Il y a 2-3 trucs en mode un peu plus facile. Mais l'attaque des adversaires, la santé des adversaires, je m'y sens mal. C'est pour ça que je galère un peu plus. Souvent dans les jeux je mets le mode histoire, j'avoue, hein, je m'en cache pas. Comment je fais pour tuer? Elle peut me remettre de la vie. Pourquoi elle a parlé de la vie? Je vais demander. Ah, il est mis à distance, y'a que ça. Merci de l'info. Hein. Lui, il m'énerve là, avec son bouclier. Comment je le brise, son bouclier? Déjà la rune, hop. Je me rappelle plus ce qu'elle fait, mais je l'active. Bon, allez, un moins. Toi aussi. Et bah, y'a que moi qui fais tout le boulot, de toute façon. Comment on fait déjà? Oui, à chaque fois je me trompe. Toi, tu vas attaquer lui. Voilà. Le plus puissant, c'est ça, perso. Et le plus puissant, ça aurait été d'avoir un truc qui l'a fait vite, quoi. Donc, voilà. Comme genre... le truc vert nécromancie, je sais pas quoi. Bon, personne ne peut l'attaquer. Super, j'ai plus personne. J'ai plus de mana. Allez, toi. Toi, attaque lui. Hop. Mais pourquoi comment ça se fait qu'ils reviennent tous à la vie? C'est pas possible, là, depuis tout à l'heure, je les tue. Bon, alors lui, il va me faire... Voilà. J'ai explosé avant qu'il m'attaque, quoi. Faut que je... Faut pas que je réveille le monstre avant là-bas. J'ai toujours pas de mana. Bon, on est bon. J'ai plus de vie. Oh, une vie. Oh, punaise. C'est gentil de me prévenir. Oh, punaise, j'ai encore plus de vie. Bon, bah, pour le boss, on repasse, hein. J'aurais plus de vie. Je pense qu'on va du coup sauvegarder, quitter, comme ça. Petite astuce. Si on sauvegarde et qu'on quitte, je pense... Mais pourquoi on tient tous? C'est quand même pas l'ennemi que je dois tuer. Oh, j'ai plus de vie. Pourquoi elle me remet pas de vie, elle, qu'est-ce qu'elle fout? À distance, ça tire. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à... Ils sont nombreux, pourquoi on n'a pas réussi à tous se tuer? Est-ce qu'ils reviennent à la vie? Non, c'est juste que j'avais pas réussi à les tuer. Ok, on a fini. Très bien, enfin on a fini. J'ai plus de vie pour attaquer le boss. Donc on va faire une petite sauvegarde, pour assurer le coup.
peut-être se remplir un peu la vie ici. Je vais sauvegarder pour être tranquille. Ouais. Oui, j'ai fait beaucoup de sauvegardes, mais on n'est jamais trop prudent. C'est quoi désactiver pendant... Oui, forcément, c'est l'ascenseur, je crois. Puis je suis même pas sûr qu'il fonctionne encore. Bon, bah, c'est bien, on n'a plus qu'une potion. On n'a plus qu'une potion. Bon, bah, écoutez, on est bien. Hein. On va lancer le boss. Regardez s'il n'y a pas d'autres petites potions. Parce que je dis pas non. Mais il n'y a que dalle, il n'y a pas une seule potion. Je crois qu'on va se faire défoncer la tronche. Bah, let's go. Hein. Et si je prends tout mon mana, par contre, je vais peut-être l'attaquer comme ça. Si je prends tout mon mana, je pourrais plus. Voilà. Ok. Niveau 20, bah si pourtant on est niveau 20, mais c'est tout pile quand même. Et lui, il a quoi comme faiblesse? J'espère que j'ai enfin ce qu'il faut. Bon, parfait, vulnérable au feu, nickel. Par contre, c'est pas ce que je préfère parce que j'ai aussi. Je préfère les attaques à distance. Alors déjà, toi, tu vas faire. Est-ce qu'on peut faire un truc genre détonner les cibles affaiblies? Ouais. Applique accablement. Déjà ça. Et moi je l'aurais mieux avec du feu quand même, il n'y a pas. Donc déjà, feu, hop. Hop de la vie. Oh putain, j'ai plus de vie. Oh jolie esquive. Deuxième jolie esquive. Et puis là par contre on est dans la merde parce qu'il me fonce dessus. Troisième jolie esquive. Et là, je sais pas si j'ai réussi à esquiver, parce que je vois plus rien. Et attaque les autres, il n'y a pas que moi, hein. On est trois dans le groupe. Donc vous savez ce qu'on va faire? Ça, déjà. Ça le crame, moi. Ouais, ça le crame. Allez, crame-le. C'est tout? Voilà. On va pas beaucoup lui enlever de la vie, hein. Toi, tu vas me remettre de la vie. Plus de mana. Bah oui, ça m'aurait donné. Plus de mana, plus de vie, plus de vie, plus de mana, on fait comment maintenant hein? Faut sortir de là. Ouais voilà, le temps que je mette ma rune aussi. Faut dégager. Toi tu peux aussi. Non. Le temps que je choisisse une gourde de touche pour. Elle pourra pas me remettre de vie, super. Et toi, Hassan, attaque-le. Je vais pas faire mes attaques à distance. Puis là, j'ai plus de vie. Vivement qu'elle puisse m'aider là. Je vais me balancer un truc à tous les coups. Voilà, toi, tu me remets de la vie. Dommage que ça se mette pas sur pause en plus quand on choisisse les trucs. Parce que moi, j'ai pas l'habitude d'avoir autant de choix dans le gameplay. En plein combat, j'ai pas trop l'habitude. Oh punaise. Faut dégager. Il est prêt, bah vas-y, qu'est-ce que tu peux faire? Merde, je me trompe toujours de touche. 231 en feu. On va prendre celui qui fait le plus de dégâts en feu. 384. 384, on est d'accord? Ouais. Alors tu les petits comme ça on est tranquille. Toi tu vas pas me saouler. Oh j'ai plus de mana. On esquive. Hop mais... Oui des ennuis un peu partout là des ennuis hein, si tu veux mon avis. Toi guéris-moi. Pouf. Toi, tu peux bah, justement t'as repris du poil de la bête, bah attaque-le, hein. Parce que là, moi, je me casse, hein. Il y a trop de monde, c'était pas de mon niveau, on aurait pas dû faire ça. On va déjà tuer les petits, là, pour être tranquille. Et
ça me redonne du mana. Par contre, lui, s'il pouvait éviter de me dégommer la tronche. Et ça va pas. Mais arrête de petites minutes, je peux pas esquiver. Si elle me remet pas de la vie bientôt, je vais crever. Non, 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 non. Non, ça, ça, ça. Ça. Je peux pas tout le temps. Regardez comment il me défonce. Mais... Pour esquiver, c'est pas très pratique. Hein. On voit rien à la caméra, elle me suit pas du tout. Il est prêt, lui. Bon, alors, il est prêt. Toi, tu l'attaques. Nous, on se casse. Je l'ai fait. Non, ça va pas valider, en plus. Mais voilà, quand j'esquive, pourtant, je la verrouille, la cible. Ça fait que dalle, j'arrive pas à bien... Pour bouger, bah, tu m'apprends rien. Peut-être qu'on arrive quand même à le bien le défoncer. Mais les esquives, ouais, enfin, je sais pas, on voit pas bien la caméra, c'est... Pourtant, je le verrouille, mais ça fait que dalle, quoi. Parfait, bah tu peux l'attaquer déjà. Et elle peut me remettre de la vie. Je crois qu'on sera bon. Pourquoi tu me remets pas de vie? Allez, c'est bon, c'est bon. Yes. Yes, on a réussi. Punaise, on est trop fort. On s'est attaqué encore ou c'est bon là? Non, c'est bon. Nickel. Donne-moi ton essence, voilà. Parce que ça permet d'ouvrir des portes après. Il faut que j'utilise ce fragment à un endroit bien précis. Mais ça, on verra plus tard. Bosquet de la mer de tous. C'est quoi, du coup? Une amulette. 20% de dégâts, de capacité d'explosion. Bon, en vrai, ça change pas grand-chose. On va le mettre. Ah, à moins qu'on... Ah, on peut utiliser l'essence là-bas. On peut essayer. On va bien voir. Mais sinon, je pense qu'on s'arrêtera là. Le combat était rude. On va aller voir si on peut pas se téléporter. Puis sauvegarder aussi, hein, parce que... Quand même... C'est ici que je dois aller. Il y a une balise, autant se téléporter. On va se faire une petite sauvegarde. Ah, c'est parce que je dois aller à la croisée des chemins pour placer le truc. Si on n'a pas le temps de faire la quête, c'est pas grave, mais au moins on aura placé l'essence. On aura combattu le boss, qui était quand même pas si facile que ça. En même temps, niveau 20, on était niveau 20 tout pile. Et je leur reproche de pas mettre les niveaux dans les quêtes. Ça m'aurait aidé. J'aurais peut-être attendu un petit peu avant de la faire, du coup. Attendez, est-ce qu'on peut se téléporter? Parce que j'ai pas envie de tout retraverser, c'est par où? Ouais, non, c'est bon. On n'a pas le choix. Après, j'aurais dû me téléporter à la croisée des chemins directement. De toute façon, là, je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout faire. Je voulais faire une petite vidéo vite fait. Comme d'hab, avec la PlayStation 5, on ne peut pas faire des vidéos de plus d'une heure. Et pour l'instant, je tourne avec la PS5. Voilà, ici, normalement, on met le truc. Oh non, c'était ici. On met le truc. Donc, il faut vaincre plusieurs champions dans différents endroits de l'univers. Et voilà. Du coup, on a... ouvert la porte des airs perdus, débloqué un endroit pour faire le groupe et du coup un voyage rapide aussi. Voilà, parce qu'on peut changer nos alliés en combat, enfin en tout cas là, au pilier. Et ça a ouvert une nouvelle zone. Les Venatori doivent chercher quelque chose dans le coin. Trouvons-le avant eux. Déjà là, je sais même pas comment on y monte. Ah bah si, il faudra passer par en haut. Bon bah, il y a déjà des ennemis. Ils sont quoi? Vulnérables. Résistance au feu. J'ai pas de glace. Oh bon bah, c'est cool. On a de l'électricité, c'est entre deux, hein. De toute façon, on va essayer. Et puis au pire, si je vois qu'on se rapproche de l'heure de vidéo, je ferai une pause.
c'est pas grave, on s'arrêtera en pleine quête. De toute façon, c'est juste... y a pas de let's play, rien du tout. Hein. C'est juste que j'aime bien le jeu et que j'avais envie de faire des vidéos dessus, c'est tout. Je pense toujours que c'est L1 pour les voilà le menu, mais pas du tout. Il se régénère, je sais qu'il y en a qui se régénèrent en vie. Hein. Bah, je le vois ces attaques, je les subis là. Ils mettent beaucoup, faut pas rester là. Oui, oui, quand c'est rouge, je sais que je veux attaquer. Oh punaise. C'est lui qui vient crever, voilà. Toi, j'ai plus assez de mana, donc on va le faire comme ça. Toi, non. Je sais pas si on peut parer avec le... À part le bouclier, qu'est-ce qu'il fait? C'est le moment d'en finir. Ah, il y avait un truc là. Bien joué, Harding. Harding, c'est moi qui ai tout fait. Oh, tous les cadavres, on a tué tout le monde. Un peu de vie. Il y a une potion. Je dis pas non. C'était pas une potion? Il y a aussi pas mal d'énigmes. Là, on a ça là-bas. Ah, on pourra pas monter de toute façon. C'est un raccourci pour plus tard, donc on peut pas y aller. C'est pas un monde ouvert, mais quand même, hein, y a pas mal de choses à faire. C'est grand. Il y a plein de quêtes. Ah. Une statue de loup. Ouais, c'est une statue de loup, je crois. Je sais plus. Non, c'est une statue tout court. Elle va éviter de tomber dans l'eau parce que sinon elle ne nage pas. Ah là-bas, il y a une potion. Je la veux. Ok, sauf qu'après, je ne sais pas ce que je dois faire. Ah, il y a un cristal. Un cristal, pardon. Des cristaux. Je dois péter lequel en premier. J'adore le monde comme ça figé. Hop. À moi la petite potion. Ici on a quoi? Merci Solas, ça m'aide vraiment beaucoup. Ok, du coup j'ai bien envie de faire ce... Bah il y a un coffre là-bas, donc toi tu m'aides. Il est pas avec nous, mais il peut nous aider. J'ai encore failli me casser la tronche. Hein. Elle fait pas des sauts vraiment très classe. Oh, une tenue. Oh, c'est pas pour nous. Bon, super. C'est pour Bellara. Bon, c'est pas terrible. Hein. 36% de dégâts bonus, j'ai plus. Et là, 50% de dégâts de détonation contre les créatures de l'immatériel. Ouais, bon, allez, hein, en vrai, allez. Non, je vais pas avoir le temps. Elle va se ramasser comme une merde. Ah bah si, on a une échelle là. Prends l'échelle s'il te plaît. Par contre ensuite c'est plus compliqué, j'ai pas vu où fallait aller. Vu que tout... Bah peut-être par là, attendez. Non, en haut on en vient je crois, non? Attendez. Ah non, j'ai pas fait ça. Est-ce qu'il y a des trucs là-dedans? Je les ai pas pétés. Moi, je sais qu'il faut les détruire, mais il y a un ordre bien précis si on veut que ça fonctionne. Oh, c'est joli quand même. On a déjà celui-là peut-être en premier, non? Attendez, qu'est-ce que lui il va faire quoi? Ah ouais! Oh, j'ai pas vu qu'est-ce qui se passe. Qui nous attaque? Ah mais oui, il y a un cristal là déjà. Hop. Je vais peut-être attendre parce que je vais me faire avoir.
Est-ce qu'il est revenu le nom? Ça, on l'a bien pété. Toi, tu vas m'aider. Ah, mais... ah ouais, il y a un ordre. Ah oui, ok. Mettre le raccourci là. Là c'est pour nous. Là je dis oui, on va essayer. Ça j'aime bien. C'est pas ce que je préfère, mais j'aime bien. Les tenues sont un peu space quand même. Toi, tu dégages. Ok. On en est au niveau cristal là. Toi. Ah oui, ça nous permet de redescendre, c'est tout en fait. D'activer ça. Non ? Pourquoi je peux pas mettre l'échelle ? Et là, il faut aller là-bas. Comment je... Attendez. Ah si, ça me permet d'aller là. Chose que je pouvais pas tout à l'heure. De péter ce cristal. Là. De péter celui-ci. Ok, déjà ça, on est bon. Je suis trop loin. Il faudra que j'y retourne là-bas. J'ai pas pété, je l'oublie ou quoi? Oh, puis là, ils ont des ennemis à affronter. Vérifier qu'on a rien oublié avant d'aller... avant d'aller au combat. Il reste certains cristaux que j'ai pas eu. Pourquoi je peux pas balancer cette échelle? Bon, c'est pas grave. Tant pis. À l'attaque pour Tevinter. Et moi, je voulais changer mes sorts, mais j'ai pas pu. Parce que là, pareil, j'ai rien en vulnérable. J'ai pas de glace, c'est dommage. Enfin, si j'ai ça en glace, c'est tout. Je vais changer. Place du feu. Quoique feu c'est pas mal. Ah oui, on est en plein combat, super. Il y a encore des ennemis là. Vous êtes pas obligé de répondre, hein. C'était juste une question. Le feu, je vais peut-être le laisser. Mettre la glace. Voilà. Et je voudrais changer mon truc ici. J'en ai pris un autre. Je dois mettre celui-là. Ok. Petite sauvegarde et on continue. J'espère qu'on aura le temps de terminer cette petite quête. C'est sympa. Faut juste que je trouve comment... Parce que là, celui-là, on ne pourra pas le tuer. Faut que je remonte là-bas. Et comment j'avais fait par ici, je crois. Pourquoi j'ai pas réussi à mettre l'échelle aussi tout à l'heure? C'est hyper bizarre, ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, vous avez le jeu aussi, si vous le faites ou pas. Sur quel support vous le faites. C'est bon, j'ai eu tous les cristaux, là? J'en vois plus. Enfin, celui du milieu, là, qui était en bas, là. Là, il en reste encore là. Leur fin est proche. Ah, ils sont là. Faut descendre ou pas? Ouais, on peut pas, c'est pas classe, on peut même pas tomber d'aussi haut. Ennemi à distance. Bon, alors, est-ce qu'on peut faire ça? Non, ça. On va redescendre par là-bas, tant pis. Ah non, mais punaise, elle s'est pas tombée, elle s'est pas sautée, elle fait que tomber. Elle. Voilà. Oui, bah je peux pas les tuer, faut le temps que je descende. Elle peut pas descendre et faire un saut de la mort qui tue. Enfin, si, justement, elle fait un saut de la mort qui tue. Au lieu de sauter classe avec son bâton, de taper au sol et de tuer tout le monde, il faut qu'elle prenne les plateformes, les toutes petites plateformes là. Voilà.
En vrai, la glace... Ah bah, ils sont vulnérables, j'ai bien fait de changer. Il y en a là-bas. Il dit pas attaque à distance, l'autre. Alors, tu me préviens pas? Ah bah voilà, trop tard. Je suis au courant. J'aurais peut-être dû esquiver là. Bon travail. Explosé, parfait. Et voilà, les Venatori ne peuvent plus nous empêcher d'entrer. Ah bah la statue elle s'est libérée aussi. En fait le seul truc que j'ai pas su avoir... Oh encore, oh non mais genre c'est... Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce, sa faiblesse? Vulnérable. Bon là ce qu'il faut. Mais c'est quoi ce machin là? Forge sanguinaire fumante. Ah oui d'accord. Je voulais sauter par au-dessus du feu quoi. J'ai plus de mana, on va devoir attaquer en direct. J'ai plus de vie. On a plus de vie. On met par une. Parfait. C'est mignon lui. On casse le poste tout de suite. Voilà, allez dégage. Un souvenatory. Ok. Ah oui, alors ça, c'est pour récupérer de la vie. Enfin, récupérer de la vie, augmenter notre barre de vie. On doit détruire des trucs, là. Attendez, ça, là, voilà. Il y en a un peu partout. Je veux une vue assez... ouais, parce que là je vois rien de ce que ça fait. Dommage que j'ai pas l'échelle là, parce que... Attendez, là il y a un truc. Ok. Peut-être pas tout en haut, non? Il est où l'autre? Là-bas au bout aussi? Je le vois pas. Et à gauche aussi. Je les vois pas. Et comme j'ai pas su mettre cette échelle, hein. Ah, fallait le péter. Oh punaise, d'habitude, c'est pas comme ça. Ah non, ça c'est le truc rose de l'autre. Là, c'est par où? Attendez, on va remettre le truc là, ça va peut-être m'aider. Ah ouais, c'est trop haut pour y aller comme ça, bien sûr. Et là, il peut pas sauter. Bah non, elle peut pas sauter comme ça, c'est trop dur, bien évidemment. Ah, là, faut mettre un truc, non? Non, non, c'était un coffre que j'ai eu, je ne sais plus. Bon bah écoutez, ah si on peut prendre l'échelle là-bas comme raccourci, peut-être. J'aurais quand même finir au moins l'hôtel avec les... la santé en plus, ce qui serait plutôt pas mal. Ah non, l'échelle là. Bon bah écoutez, on va refaire le tour. Je me rappelle plus si j'avais fait un raccourci ou pas. C'est pas grave, on recommence. D'ailleurs, l'échelle là... Ah oui, bah, faudrait que je puisse y passer après. On va le faire. Ah bah, il est là, le machin. Voilà, va là, toi. Toi, tu pètes le truc, s'il te plaît. Voilà. On récupère ça. Ok, et on monte.
Il doit en rester à quelque part. Que j'ai loupé, c'est le dernier en plus. De toute façon, on peut pas y aller là-bas. On peut pas passer. Tout ce qu'on peut faire, c'est sauter ici. Puis du coup, là, on est embêté. Ah, elle y arrive, là. Non, c'était un bug. Bon, bah déjà, il faut que je trouve le dernier truc à détruire, là. Ah, il doit être là-bas, je le vois. Allez. Oh, je suis trop loin. Mais elle est nulle, en fait, hein. T'es pas très doué, hein. Va falloir améliorer tes capacités magiques, hein. Hop, voilà. Et normalement, plus 100 en santé. Parfait. Ça ne se refuse pas. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que je sais pas... Ouais, on a plus de quête, en fait. Et ça, à moins que je puisse le péter comme... Ah bah voilà. On se fait le petit combat ici, puis on s'arrêtera là. Après, c'est de l'exploration, de toute façon, donc on va pas tout faire en vidéo, hein. Je voulais surtout faire le combat de boss au début. Ah oui, donc là, pareil, les cristaux. On regarde, vulnérable au froid. Bon, bon, allez, hop, on s'éclate un petit peu. On se fait ça, puis on s'arrête sur ce combat-là. Oh là, on fera une petite vidéo tranquillou. Ah, mais lui, il est relié aux cristaux. Très bien. Donc, il faut que je les détruise. Parce qu'il leur remet de la vie. Lui, je peux pas le détruire. C'est lequel que je peux faire en premier? Ou alors, c'est... je peux le détruire et ça va le... Ouais, ça les a régénérés. Mais genre, comment je fais? Je pense que c'est les cristaux qu'il faut détruire, mais je ne sais pas comment et dans quel ordre. Je crois bien que ça leur redonne de la vie. Et je vois pas lequel détruire, parce que là, il a une... Celui-là, on peut pas. Ah si, on peut. Ah, celui-là, je pouvais. Par contre, le gros, là... Ah si. Voilà. Comme ça, au moins, ils ne seront pas régénérés. Quoique, il y a quand même celui-ci qui est... régénère aussi avec mana. Mais j'ai plus de mana, punaise, cassez-vous. Voilà, juste assez pour détruire le truc là-bas. Voilà. Ils sont reliés à quoi maintenant? Il n'y a plus de cristaux. C'est les deux qui sont reliés entre eux. Donc faut que je tue l'un pour tuer l'autre. Mais ils sont chiants, j'ai plus de vie en plus. J'aurais pas dû retenter le dernier combat, hein. J'aurais pas dû. Allez, arrête de leur mettre de la vie. À ton copain là. Voilà, détruit. Toi aussi comme ça t'as plus de vie. Parfait. T'es tout seul maintenant. Ah puis voilà, hop. Parfait. Détruit. Tranquillou. On a gagné. J'avais remarqué. Hein. Attendez, je vais faire l'hôtel là. Un hôtel à Fenarel. Encore un. Je sais plus ce que ça fait ces trucs là. Et ce truc là non plus. Bon bref, on va peut-être s'arrêter là. Hein. Sinon, je vais t'embêter avec la PS5. Est-ce que c'est encore des trucs à détruire comme tout à l'heure? Non? C'est quoi déjà? Qu'est-ce que ça a fait ce truc là? Je ne sais plus. Je
Je sais pas si j'ouvre la porte, si après on se retape un combat ou pas. Donc si vraiment c'est ça, on est dans la merde. Je voulais m'arrêter. Ah, c'est un raccourci. Oh, puis il y a de la vie, allez. On se prend la vie là. Et l'hôtel, il doit avoir fait quelque chose, hein. C'est sûr. Ouais, on est revenu là. Je sais pas trop où on est, mais on est revenu là. Ah voilà, c'est ça que j'avais pas détruit aussi. Et une barrière de moins. Oh punaise, bon, parfait. On va essayer de se terminer celui-là de combat maintenant. C'est pas prévu non plus que... Hein, bon. Déjà, eux, ils ne se régénèrent pas, donc on devrait être bon. Il est vite à court de mana quand même. Il faudrait qu'on puisse augmenter le mana. Oh, ne tombe pas, s'il te plaît. J'ai pas envie de tomber. Hein. Elle a plus de mana nulle part, genre. Je suis en feu, je crame littéralement. Je suis bête, je peux le faire attaquer aussi. Toi aussi. Je crois que j'aurais peut-être dû lui demander de me remettre de la vie. Pourquoi ma capacité spéciale ne veut pas se recharger? Ça aurait été classe en plus. J'ai encore plus de mana, bon bah c'est bien. Voilà, je les laisse attaquer, moi j'ai plus de vie. Donc chacun son tour. Hein. Et tant qu'elle peut pas me remettre de la vie, je... voilà. Voilà, attaque-moi, enfin rends-moi de la vie. Vous prêtez à l'action. Ils sont pas morts en plus, ils sont pas morts. J'ai plus de mana, c'est hyper nul. Ma grosse capacité est pas rechargée. Allez, j'étais presque. Voilà. Parfait, explosé. Bon, bah c'est bon. Ça, voilà. Coup, là, on prend le coffre, on s'arrête là. C'est ça le... L'outil à faire... L'hôtel à Fenarel, là. La statue, c'était ça. Ah oui, c'est ça. On en a déjà vu. Je vais la mettre en lieu sûr. Parfait. Bah parfait, on a fini du coup. Torsion du voile. Couteau de mage. Ou du ballon, hein, ça dépend après. 84. Mais c'est nul en dégâts. Bon, allez, c'est nul. Bon bah du coup, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo sur Dragon Age The Veilguard. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, le jeu, j'adore. Il y a de la magie, enfin ça dépend après si vous prenez une autre classe, mais moi j'ai pris la classe mage, donc c'est dague et bâton de magie, quoi, voilà, sceptre, ce que vous voulez. Donc bref, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!